You say never won? Olympics here, Barcelona, number 9, me. But you know what? I'm a sneaker collector. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week, les sorties sneakers et sapes de la semaine, c'est le numéro 151. Bam ! Appelle ta banque et augmente ton plafond, on va commencer. Pour information, dimanche prochain, ce sera le top 10 de janvier, le premier top 10 de l'année, et voilà, janvier 2022, et donc aussi la fin du concours mensuel photo Instagram qu'on fait tous les mois. Ce mois-ci, c'était avec le hashtag Tonton Gibbs janvier 2022. Vous avez à peu près jusqu'à vendredi prochain pour participer, et je vous annonce d'ores et déjà qu'il va y avoir du changement à partir de février pour ce concours, du changement positif, je vous rassure. Mais je vous donnerai plus d'informations dans la vidéo de dimanche prochain. Voilà. Comme toujours, on va commencer avec les sorties dont je n'ai pas parlé dans la dernière émission, et tout de suite après, comme d'habitude, les sorties de la semaine prochaine. Vous savez que la liste des paires et sapes citées dans cette vidéo est dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop, quelques-unes. Et tous les liens que je vous mets sont sûrs, sinon, évidemment, je vous les mettrai pas, les gars. Pour les paires qui sont citées, n'oubliez pas que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les sorties, c'est vraiment important, merci beaucoup. En attendant, vous êtes cordialement invités à défourailler le pouce en l'air ici en bas de la vidéo. Et puis nous, on y va, let's go. Ami Paris qui a balancé 61 pièces de sa collection Spring Summer 2022, et comme toujours, que du bel ouvrage avec Alexandre Matuissi, homme, femme et accessoires. De quoi se confectionner des belles tenues modernes et cool, c'est dans la description. Un tour chez Nike qui n'en finit plus d'agrandir son arc-en-ciel de classiques chaque semaine, des nouveaux coloris pour hommes et pour femmes. On commence avec la classique TN, classique de ce début de siècle qui a trouvé sa place avec le temps aujourd'hui. Les collectionneurs du modèle sont heureux car ça scope au calme à 180€. Ici la Black Impact Green, une robe qui va parfaitement à cette silhouette agressive de Sean McDowell 1998. Running Trail pour cette magnifique Nike Air Pegasus Trail 3 Gore-Tex à 150€, créée pour courir dans les sentiers difficiles. Mais je la vois aussi parfaitement marcher tranquillement sur les trottoirs. Les détails sont beaux, la paire est vraiment, vraiment belle. En plus, en Gore-Tex, pas grand chose à dire, cette nouveauté parle d'elle-même. Pour vous les filles, il y a du beau aussi, avec d'abord les Nike Air Force One White Sail et White Sail Silver SP à 109€, on ne peut plus compter les coloris Air Force One, on pourrait remplir des entrepôts entiers avec une collection complète du classique de Bruce Kilgore 1982. Autre classique revisité, Sergio Lozano 1995 avec la Nike Air Max 95, évidemment ici dans des tons clairs, Marine Sail à 170€, une paire avec une belle histoire, un concept très cool qui va bien aux filles je trouve, le lien est en bas. Anciennement la Nike Air Max 3, la Nike Air Max 90 de 1990 hein, forcément, sort ici en Purple Vault à 140€, toujours pour vous les filles. Et pour finir ce tour des nouveautés Nike avec une paire plus récente mais que je trouve réussie, la Nike Air Max Prairie, ici en version Women's, with plume red à 140€. Le code couleur est réussi et j'aime l'originalité et le taf sur cette Air Max 2021. Passons chez Converse avec vraiment deux versions cool d'un des modèles les plus populaires au monde avec une riche histoire, la Chuck Taylor 70. On ne peut pas quantifier les versions de Chuck 70, c'est encore pire que les Air Force One, mais ce mois-ci, il y en a deux plutôt cool. D'abord celle-ci, la Blueprint Black Red High Risk à 80€, à un prix correct pour un classique revisité de manière originale, et puis trois traitements pour une version plus premium, made in Italy, Converse logo brodé en green, brown et sail, broderie silver à 95€, simple, beau et efficace, une version unisex, pareil pour la précédente d'ailleurs. Un tour au Japon avec Evisu qui drop quelques pièces SS22 et une collection 2000 baggy fit denim au maximum. Si vous aimez le denim dur taillé au millimètre et l'originalité, cette marque c'est le must. Une anecdote que vous pouvez retrouver dans mon second livre Street Style, vous savez que le fameux logo vague là, de la marque représente une mouette en dessin naïf. Evisu à la base c'est une marque de pêcheurs et Evisu vient de Ebisu, la divinité japonaise de la pêche. Le lien est dans la description. Carhartt V aussi hein, qui a collaboré avec notre French label de musique électro Headbanger, une capsule co plutôt cool avec une tape Relevant Party 2 qui est d'ailleurs le nom de la capsule collection que je vous mets en description. Baker Shoes, le shop de New Jersey, Teaneck tout juste frontalier à Big Apple, a une nouvelle fois collaboré avec Reebok sur le pro modèle de monsieur Allen Iverson, la Reebok Answear 4, ici surnommée Ultramarine, sortie à 215€, pour l'instant exclusivement sur Baker Shoes. On peut clairement dire que c'est une belle paire de collection qui sent bon la nostalgie, et Iverson, tout le monde sait que c'est le gars qui méritait tellement le plus au niveau du basket, un génie. Et puis même si la Answear est un peu moins populaire que la Question Mid, ça reste quand même complètement un marqueur temporel, et pour l'anecdote, officieusement, la Answear 4 est inspirée de la America's Cup de Prada en 1997, une volonté d'aller dans un style qui correspondait au goût de Little Big Man, aka Booba Chuck, aka Uncle Breaker. À l'heure où j'écris ces lignes, il reste encore quelques tailles, mais quand cette vidéo sortira, je ne sais pas. À voir si elle sortira aussi.
aussi chez Reebok. Pour l'instant, on ne dirait pas. Un t-shirt très cool aussi accompagne la paire, The Question Has Been Answered. Le 21 janvier, c'était aussi l'arrivée du premier drop Spring Summer 2022 de nos amis hollandais de Pata. Comme toujours, des pièces cool et toujours en gardant l'ADN intemporel de Pata. Ça, j'aime bien aussi. Les boucles d'oreilles, logo, ça me rappelle vraiment le Châtelet des années 90-2000. Et c'est vraiment cool tout ce qui se passe en ce moment d'ailleurs. Le Teddy, juste magnifique. Là, je l'ai pas vu dans le site, à voir sur l'application ou InStore Amsterdam, Londres ou Milan, ou juste décalé ou pas encore sorti. Enfin, dites-moi dans les commentaires si vous avez suivi. J'ai pas suivi ce qui s'est passé pour ce Teddy. Je sais pas si c'est sorti ou pas. Dites-moi dans les commentaires. Le lien Pata est en bas. Et puis samedi 22 janvier, un restock de la Adidas Easy 350 V2 Blue Tint, mais uniquement en Amérique du Nord. La Blue Tint, hein, qui fait partie de la seconde vague Easy du début chez Adidas, sortie en décembre 2017. Elle avait une cote dans les 400-450 €. Là, forcément, ça retombe un peu, mais pas tant que ça. Même si en France, la 350, c'est un modèle qui commence à être un peu boudé. Mais attention, je prends des pincettes, hein, ça se vend toujours très bien, mais boudé par les collectionneurs, dirons-nous. Dans d'autres pays, c'est toujours un gros truc, hein, les Yeezy. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, Kanye West a publié un logo Jumpman sur son compte Instagram. Apparemment, ce serait pour un truc grand. Voilà. Même si ça reste mystérieux, il y a DJ Khaled, Marcus Jordan et MJ dans la sauce. À voir si ça sera en rapport avec aussi Trophy Room, hein, le shop de Marcus Jordan, fils de Michael Jordan. Enfin, c'est trop flou pour en parler maintenant. Puis n'oubliez pas que Kanye est sous contrat avec Adidas, même si le gars se prend pour Dieu. Bref, la Blue Tint, c'était le 22 janvier, North America, à 230 $. Lien revente dans la description. Le 22 janvier a également donné lieu à une belle collaboration US-Japon entre la Original Outdoor Clothing Company depuis 1830 en Pennsylvanie, la marque surtout connue pour sa laine et ses trames de qualité Woolrich, qui s'associe à nos amis japonais ultra cool de Bape, créé par Nigo en 1993, t-shirt, coussin de tête, couverture et une Arctic parka magnifique, mais faut sortir un billet de 1150 €, sans oublier les taxes, mais ça reste quand même une belle pièce que je kifferais avoir dans mon dressing, bien entendu, exclu Woolrich et Bape, lien en description. Voilà pour le passé, saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur, maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. On va commencer par ça parce que j'ai pas les dates exactes, mais ça arrive très bientôt, une collection en collaboration très lourde entre le designer qui monte fort Saleh Bembury et Canada Goose, la marque outerwear qu'on ne présente plus. Je vous mets l'Instagram de Bembury dans la description pour suivre cette sortie qui s'annonce très jolie. Ensuite, l'énorme sortie de ce début d'année, même si elle est sous forme de vente aux enchères, ça reste une release, et pas n'importe laquelle, Louis Vuitton et Nike sous la coupe de Virgil Abloh, malheureusement décédé en fin d'année dernière, vous le savez tous. Ce sont des paires sous l'air Virgil et juste une des plus grosses collaborations qui puissent exister. Voilà, tout simplement. Et en plus, sur un des plus grands classiques, hein, de chez Nike, la Air Force One. Déjà, on va commencer malheureusement par refroidir tout le monde, ou la plupart des gens, hein, ça ne sera pas de la Air Force One à 109 €. Voilà. Ce sont des paires qui vont rester dans le domaine du simple kiff visuel pour 99% des gens. Cuir de veau premium et damier monogramme Louis V, un prix fixé à 2000 $ aux enchères ce 26 janvier en exclu Sotheby's à 9h, heure de New York. 200 paires estimées entre 5 000 et 15 000 $ sont actuellement sur le site. Bien sûr, je vous mets le lien en description s'il y a des chanceux parmi vous qui peuvent se permettre de participer. Et puis aussi, juste pour voir les détails, ça va du 37,5 au 52,5. Donc un grand spectre de sizing est respecté et l'énorme valeur ajoutée à chaque paire, c'est quand même qu'elle est accompagnée d'un sac Louis Vuitton pilote. Très beau. Et puis en parallèle, des paires Friends and Family ont été envoyées aux amis de Virgil, qui tant qu'à faire sont toutes les plus grandes stars, créateurs ou collectionneurs du monde. Des paires qui devraient arriver en avril, mais ça sera la guerre si vous les voulez. Commencez à économiser, les gars. Habituellement, je me prononce pas avant fin décembre pour parler des paires de l'année, et puis surtout pas en janvier, quoi. Tu vois ce que je veux dire, car il y a beaucoup trop de surprises, il y a trop de codes qui bougent, il y a trop de choses qui changent. Mais là, je pourrais presque m'avancer et dire que les dés sont pipés pour 2022. Hein. Important quand même à préciser, les bénéfices des ventes iront à la fondation de Virgil pour aider les jeunes entrepreneurs. On passe au 27 avec trois belles paires, deux prévues en collaboration. D'abord, les Human Race Cichona de Pharrell Williams chez Adidas en version black, les Human Race qui ont subi la surexploitation malheureusement, donc on n'est pas sur des cotes comme pour les premières Human Race, ça scope assez facilement, mais concrètement et esthétiquement pour moi c'est une bonne paire, elle est originale et finalement c'est pas une paire qu'on croise partout. Alors elle arrive le 27 chez Enclosing par exemple, mais la sortie Adidas peut être plus tardive, donc à surveiller. Ensuite, ça malheureusement j'ai très peu d'images et peu d'informations, mais normalement mon petit doigt me dit que le 27 une nouvelle collaboration entre Raekwon, monstre sacré du Wu-Tang Clan, et la marque italienne Diadora devrait sortir sur deux N902 NYC Tangerine Killers, mais apparemment exclu Champsport US et Footlocker. Et normalement Footlocker Europe aussi, tous mes liens en description, voilà. Et puis ça reste aussi à confirmer, mais normalement la première paire modèle officiel de Drake, hein, arrive à 150 €, la Nike Hot Step
Air Terra Nocta White Chrome. Je dis que ça reste à confirmer parce que pour l'instant, même si elle est annoncée pour le 27, elle apparaît quand même dans aucun calendrier. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau modèle. Perso, j'aime beaucoup. Je me vois très bien la porter. Quelques liens où elles seront. Si elles sortent dans la description, normalement une version black devrait accompagner la blanche d'ailleurs. Vendredi 28, on repart chez Reebok qui continue sa collaboration avec la maison Margiela. 4 coloris classiques leader DQ retravaillés avec juste l'armature apparente. De quoi jouer avec vos chaussettes. Le problème, c'est que c'est une version tabi, le classique de la mode Margiela de 1989, la chaussure tabi avec le pied coupé. Donc pour les couleurs de chaussettes, ça va être compliqué. 450€, les paires travaillées et peintes à la main dans les ateliers Margiela, une paire clairement destinée aux modeurs, des versions hautes arrivent. Lien dans la description. Le 28, nouvelle collection Moncler Genius 1952, comme toujours, la partie Genius, j'adore, même si on est dans des prix à luxe, forcément, malheureusement. Samedi 29, je me suis arrêté sur cette collab, un label de mode connu pour ses sacs ou canapés pillow, SSL ou Castle Edition, une marque plutôt jeune, en 2018, fondée par plusieurs Européens passionnés de mode. J'aime énormément le taf qu'ils ont fait sur cette ASICS Gel 1090 qu'ils ont recouverte de leur fameux tissu, tissu huilé, qui est une signature propre à eux. Ils préviennent par avance que c'est une chaussure qu'ils ont créée comme des œuvres d'art, qu'elles sont fragiles et qu'elles peuvent déteindre ou autre. Au moins vous êtes prévenus, c'est une vente caritative et les bénéfices seront reversés à ASICS Craft for Minds, programme pour une association caritative pour combattre les maladies mentales, comptaient environ 260€ pour ces deux paires remarquables vendues exclusivement chez N-Closing, limitées à 30 paires chacune. Ça, c'est quand même de la paire intéressante. Le lien est dans la description. Pensez à la taxe douanière, mais bon, pour une exclu N, 30 paires monde, c'est pas vraiment la priorité. It's done, family. Voilà pour cette semaine. I8 et protège-coude de circonstances se poudrer d'un peu de chance, comme d'habitude. Prochaine vidéo dimanche prochain, top 10 mensuel. Résultat du concours photo Tonton Gibbs, janvier 2022. Vous avez à peu près jusqu'à vendredi pour participer. Après, ce sera le hashtag Tonton Gibbs février 2022. Et comme je vous l'ai dit, il y aura une belle annonce par rapport au concours en février prochain. Voilà. Mais vous aurez plus d'informations dans la vidéo de dimanche prochain, dans le top 10 de janvier 2022. Abonnez-vous, likez, commentez, envoyez la force. Tous les liens de tout en description. L'émission est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées. Merci de votre compréhension. Voilà la MIF. Merci à tous. Vous êtes au maximum. Portez-vous bien. Homemade.